Bonjour, chers étudiants. Nous voilà maintenant au niveau du dernier chapitre de ce cours d'introduction à la théorie de la sécurité et de la cryptographie. Donc, nous allons voir particulièrement cette dernière notion là-bas, à savoir la cryptographie. Donc, nous allons voir les méthodes, principalement les méthodes classiques. Donc, la cryptographie, donc, aura. Comme on va le voir, donc sa mission c'est de protéger les informations. Donc on va voir les différents types d'algorithmes qui existent, les différentes méthodes, comment ça se passe avec des cas, des exemples à l'appui. Donc pour ce qui concerne les défenses logicielles, parce qu'on a vu les défenses matérielles, donc ce qui concerne les pare-feu, les IDS, etc., les équipements entre autres. Donc c'est la cryptographie donc fait partie de ces moyens de défense logicielle. Maintenant, pour ce qui concerne la sécurité de l'information, il y a plusieurs méthodes de sécurisation. Donc, il y a la cryptographie dont le but donc c'est d'écrire les messages de façon chiffrée, donc de façon indéchiffrable. Donc, de telle sorte que quelqu'un qui voit un message chiffré ne puisse pas deviner le contenu. Donc, le but, c'est de garantir la confidentialité, l'intégrité, la confidentialité et l'authenticité des données. Maintenant, contrairement à la cryptographie, il y a là ce qu'on appelle la cryptanalyse. Donc, il a un but inverse à la cryptographie. Donc, son objectif, c'est de quoi? C'est que si, lorsque, par exemple, vous chiffrez un message, vous cryptez un message, moi, je vois ce message-là, j'essaie de vous utiliser des moyens qui me permettent de retrouver le message qui était derrière. Donc, c'est ce qu'on appelle la cryptanalyse. Maintenant, il y a d'autres méthodes qui permettent de sécuriser. Il y a comme, par exemple, la stéganographie, qui est une méthode qui ressemble un peu à la cryptographie, mais voilà, dont les approches sont différentes. Donc, lui, il permet donc la stéganographie donc de cacher un message dans un contenu. Maintenant, de telle sorte que le message ne soit même pas détecté. Bon, en général, on utilise, par exemple, une image. C'est-à-dire, on prend un message qu'on cache derrière une image, un message qu'on cache derrière une vidéo, un message qu'on cache derrière un son. De telle sorte que vous, quand vous voyez l'image, quand vous regardez l'image, vous ne verrez pas le message qu'il y a derrière. Quand vous écoutez le son, vous ne verrez pas le message qu'il y a derrière, etc., etc. Donc, il y a d'autres entités, on peut utiliser des protocoles, on peut les mettre dans les entêtes des protocoles, etc. Bon, on ne va pas détailler ça. Il y a, de la même manière qu'il y avait la cryptanalyse pour la cryptographie, il y a la stéganalyse pour la stéganographie. Donc, c'est l'art de déceler les messages cachés derrière ces images et ces vidéos, etc. Il y a également le tatouage, donc, qui offre des solutions pour la protection des droits et des copies, quoi. Donc, ce qu'on appelle le watermarking. Donc, qui permet d'insérer des filigranes, etc., pour protéger ses œuvres, entre autres. Donc, aussi, on a les deux méthodes qui procèdent à une dissimulation. Et dans la cryptographie, plutôt, concerne donc rendre le message indéchiffrable. N'est-ce pas? Donc, on ne procède pas à une dissimulation. Donc voilà donc, les techniques de protection de l'information. Nous, ce qui nous intéressera, c'est la cryptographie. Maintenant, il y a quelques notions qui tournent autour de cette cryptographie. Il y a les algorithmes de chiffrement et de déchiffrement. Donc l'un pour crypter, l'autre pour décrypter. Mais quand on crypte, on utilise une clé. Quand on décrypte aussi, on utilise une clé. Donc c'est ce qu'est une clé de cryptage entre les deux entités. N'est-ce pas? La cryptographie et la cryptanalyse, on en a parlé. Maintenant, pour crypter, donc, il y a un ensemble de messages. Donc, on a un cryptosystème qui est constitué d'un ensemble de messages, qu'on a le grand M, et un ensemble de cryptogrammes, donc un ensemble de messages cryptés, quoi. Et un ensemble de clés. Donc, chaque élément, si on a un message, ça fait partie de l'ensemble même. La clé, ça fait partie de l'ensemble grand K, et le message chiffré appartient à C. Donc, l'algorithme de chiffrement, donc, à partir de ce couple-là, message clé donne un cryptogramme. Et pour le décryptage, c'est à partir d'un cryptogramme clé donne un message. Et ici, donc, quand on crypte un message, et
le résultat, on lui applique un décryptage, on doit retrouver le message initial. C'est ce que cela veut dire, quoi. Donc les algorithmes de chiffrement et de déchiffrement doivent être viables. C'est-à-dire, quand on crypte un message, le résultat qu'on trouve, si on lui applique l'algorithme de décryptage correspondant, on doit retrouver le message initial. Donc c'est ce que cela veut dire. Pour les algorithmes de chiffrement, on a globalement deux grandes catégories de cryptage. Donc on a le chiffrement symétrique et le chiffrement asymétrique. Maintenant, pour le chiffrement symétrique, c'est quoi? C'est lorsque c'est la même clé qui est utilisée pour chiffrer que pour déchiffrer. Donc c'est la même clé qui est utilisée pour chiffrer que pour déchiffrer. Maintenant, si c'est asymétrique, il y a deux clés distinctes. Une clé est utilisée pour chiffrer, une autre clé est utilisée pour déchiffrer. Maintenant, pour le cryptage particulièrement symétrique, il y a plusieurs approches. Il y a l'approche de transposition. Donc, ça veut dire si vous avez un message, vous mélangez l'ordre des lettres, quoi. Maintenant, il y a également une méthode de substitution. Maintenant, la méthode par transposition, c'est comme par exemple si vous avez bonjour. Vous avez par exemple, je vous donne un exemple. Message bonjour, vous le convertissez en jour bon. Donc regardez, c'est les mêmes lettres. Donc vous avez fait seulement transposer une partie. Voilà. Donc c'est ça, les lettres, par exemple, une méthode par transposition. Par exemple, bonjour aussi, je peux l'écrire en commençant par R. N'est-ce pas? U, O, O, etc. Donc en le prenant dans le sens inverse, quoi. Donc dans ce cas, commencer par le terminer par le B, quoi. Donc dans ce cas aussi, c'est une méthode de transposition. Donc il y a plusieurs transpositions possibles, quoi. Donc on permet l'ordre des lettres, quoi. Mais la méthode par substitution, c'est quoi? C'est-à-dire, on fait remplacer les lettres, c'est-à-dire le B, on le remplace par une autre lettre. Le O, on le remplace par X, par exemple. Le N, on le remplace par Z, par exemple. Donc ça, c'est des méthodes par substitution. Donc on n'a pas les mêmes lettres mélangées, mais les mêmes, on a d'autres lettres même qui viennent remplacer les anciennes. Maintenant, pour les méthodes symétriques, on a les méthodes par substitution simples et les substitutions polyalphabétiques. Donc les substitutions simples, ça s'appelle les substitutions monoalphabétiques et les substitutions polyalphabétiques. Donc ça, c'est les deux cas. Maintenant, les substitutions simples, c'est quoi? Une même lettre est remplacée toujours par la même lettre. C'est-à-dire, quand j'ai dit tout à l'heure, B peut être remplacé par Z. À chaque fois que je vois B dans un message, je remplace par Z. C'est ça la solution monoalphabétique. Chaque lettre est remplacée toujours par la même lettre. Mais si c'est la solution polyalphabétique, ça veut dire que je peux avoir un B, je le remplace par Z. Une autre fois, je rencontre un B, je le remplace par X. Une autre fois, je rencontre un B, je le remplace par un N. C'est ça la substitution monoalphabétique. Maintenant, il y a plusieurs variantes qui sont basées sur cette cryptographie-là. Maintenant, on va voir maintenant les exemples d'algorithmes de chiffrement monoalphabétique d'abord. Et le premier qui a été proposé, c'est le chiffre de César. Donc, qui a été proposé par Jules César et qui procède par décalage des lettres et de trois positions. Donc voilà un peu le tableau qui donne ce cryptage-là. C'est-à-dire, si vous prenez la lettre A, vous la déplacez une fois, vous avez la lettre B. Vous la déplacez deux fois, vous avez la lettre C. Vous la déplacez trois fois, vous avez la lettre D. Donc par exemple, ici, dans ce tableau-là, si je me décale de trois positions, une, deux, trois, je tombe sur D. Donc ici, c'est pour cela qu'on a A sera remplacé par D. Si je prends le B, je me décale de trois positions, 1, 2, 3, je suis sur le E. Donc le B sera remplacé par E, ainsi de suite. Quoi. Donc X par exemple est remplacé par A, U est remplacé par X, etc. Donc voilà le tableau qui permet de faire le. Par exemple, si je donne le message champion, donc je prends chaque lettre, je regarde qu'est-ce qui le remplace. C doit être remplacé par F, donc je mets F. Je prends
H ici. Et là, je regarde H est remplacé par K. Donc je remplace par K. A. A est remplacé par D. Donc je mets D. M par P. P, je remplace par S. I, il est là. Je remplace par L. O, je remplace par R et N par Q. Donc c'est la lecture, c'est dans ce sens-là. Les lettres en haut sont remplacées par les lettres en bas. Ok. Maintenant, il y a d'autres variantes qui existent. On peut faire, au lieu de faire un décalage de 3, on peut faire des décalages de 4, de 5, etc. On peut faire maintenant un exemple particulier, c'est le décalage de 13. Donc ici, on vous donne des exercices. Là, vraiment, je vous laisserai les essayer. Après, on va trouver un moyen de voir ce que vous avez trouvé et de les commenter. Donc ici, on demande de crypter votre nom et votre prénom en utilisant César. Donc ici, on vous a donné un exemple. On a crypté champion. Pendant chacun va prendre son nom et ou son prénom et il va essayer de le crypter par cette même méthode-là. En utilisant ce tableau-là. Maintenant, ici, on vous demande de décrypter ce message-là. Maintenant, quand on crypte comme ça, le décryptage doit se faire comme ça. Maintenant, A est remplacé en chiffrement par D. Maintenant, en déchiffrement, le D doit être remplacé par A. Donc, par exemple, si je ne connaissais pas ce message-là, on me demande de déchiffrer ça. Parce que quand on déchiffre, on n'a pas le message initial. Hein. C'est ce qu'on essaie de retrouver. Si vous avez ce message-là, on me demande de déchiffrer. Qu'est-ce que je fais? Je regarde le F. Ici. Donc cette fois-ci, je regarde du bas vers le haut. Quand je fais le déchiffrement. Le déchiffrement, c'est du haut vers le bas. Donc je vois que c'est F. F, il est là. Je remplace par C. Donc je retrouve la première lettre. Ici, j'ai K. N'est-ce pas? K, je le remplace par H. Donc j'ai CH déjà. Je prends D. D, je cherche ici où est le D. Le D, il est là, je remplace par A. Etc, etc. Jusqu'au dernier, j'ai Q. Q, je remplace par L. Et j'aurai retrouvé. Donc on vous demande maintenant de faire la même chose avec ça. Bon, je ne vais pas vous donner le résultat parce que voilà, j'ai envie que vous essayiez. Maintenant, on vous demande également de décrypter le texte suivant, sachant que la clé de décalage est de 10. Maintenant, la clé de décalage, ici, César, c'était 3. Maintenant, on vous a dit qu'on peut voir des décalages variables. Ici, on vous dit que c'est la clé de décalage, c'est 10. Donc, il y a un message qu'on avait. Ce message-là, on l'a. Chaque lettre, on l'a décalé de 10 positions. Et ça nous a donné ça. Maintenant, cette fois-ci, vous ne pouvez pas utiliser le tableau-là directement. Par exemple, le E-là, c'est pas le. Il ne faut pas le décrypter E, c'est B. Parce que là, c'était un décalage de 3 positions. Donc, vous pouvez compter avec vos doigts. Par exemple, si je devais faire un chiffrement, le A, je dois le décaler de 10 positions, je compte. Bon, si j'ai le tableau, par exemple, je peux le faire directement ici. Celui-là, je dois le crypter sur 10 positions. Je fais 1, je me déplace de 10 positions, tout simplement, pour savoir quelle est la lettre. Par exemple, je prends A. Si je devais le crypter par décalage de 10, je fais 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc, je tomberai sur le K, quoi. Est-ce que ouais? Donc, tout simplement, pour dire que donc, le K est remplacé par A. Mais donc, pour chiffrer, je fais un décalage à droite. Mais pour déchiffrer, je fais un décalage à gauche. Donc, quand vous voulez décrypter ça, utilisez seulement la première ligne du tableau. Si je fais le cryptage, je pars des lettres pour aller vers la droite. Si je fais un décryptage, je fais dans le sens contraire. Par exemple, le E, pour le décrypter, je regarde le E, il est là. Bon, je vous donne la première lettre et voilà, le reste, vous pourrez essayer de le faire. Par exemple, pour décrypter le E, donc je dois aller vers la gauche. Toujours le décryptage, c'est vers la gauche. Pour le cryptage, vers la droite. Est-ce que vous voyez? Donc, si je dois décrypter le E, je dois me déplacer à gauche de 10 positions. Parce que le cryptage a été fait avec 10 positions, donc je me déplace de 10 positions à gauche.
Maintenant, ici, le déplacement, c'est la cyclique. C'est-à-dire, quand j'arrive au niveau du A, je reviens au niveau du Z. OK? De la même manière aussi, si je devais me décaler de la droite, arriver au niveau du Z, je viens au niveau du A. Ça continue, etc. Donc, si je me décale à gauche et que j'arrive au niveau du A sans finir, je retourne au niveau du Z. Donc, arrivé au niveau, je suis au niveau du E, je me décale de 10 positions à gauche. Je fais 1, 2, 3, 4. Je continue ici 5, 6, 7, 8, 9, 10. N'est-ce pas? Donc, je tombe sur le V. Est-ce que ouais? Donc, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Est-ce que ouais? Donc, c'est U, U, plutôt. OK? Donc, on tombe sur le U. De même aussi pour le B, je prends le B, je me décale de 10 positions à gauche. Je regarde la lettre. Par exemple, B, je fais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je tombe sur le R. Ainsi de suite. Quoi. Donc, c'est ce qui vous permet donc de retrouver toutes les lettres. Donc, quand vous décryptez, vous allez vers la gauche. Et quand vous cryptez, vous allez vers la droite. OK? En diffusant seulement la première ligne. Hein. La deuxième ligne, vous l'ignorez quand vous faites un décalage différent de 3. Parce que ce qu'on avait expliqué ici, ça concerne seulement le cas du 3. Sachant que le texte clair suivant rendez-vous est déterminer la clé. C'est-à-dire, ici, on vous a donné le message. Le message clair initial, c'est rendez-vous rue de la paix. Ça, c'est là où ça s'arrête, quoi. Bon, j'aurais dû le mettre en majuscule, mais bon, c'est pas grave. C'est ça le message, rendez-vous, n'est-ce pas, rue de la paix. Là, quand on le crypte, ça nous donne ce message-là. Maintenant, on vous demande cette fois-ci de retrouver la clé. Et si la clé, c'est l'ordre du décalage, quoi. Quel décalage transforme rendez-vous rue de la paix en ce message-là? C'est ce qu'il vous est demandé. Après, on vous demande de décrypter le mot, décrypter ça en sachant que le mot ennemi est dedans. C'est-à-dire qu'il y a parmi ces mots-là, il y a un qui correspondait à ennemi. Donc, quel est le message qui est derrière? Donc, essayez vraiment de faire ces exercices-là, ça vous permet de mieux comprendre avant de faire la suite. Maintenant, toujours pour les méthodes monoalphabétiques, donc on a le chiffrement affine. Maintenant, le chiffrement affine, on calcule la clé. On donne d'abord la clé. Maintenant, la clé, c'est un couple cette fois-ci. Et on l'appelle AB. Maintenant, pourquoi on appelle cryptage affine? Parce que la lettre chiffrée sera donnée par une expression affine. C'est-à-dire X, c'est la lettre initiale, la valeur de la lettre initiale, et Y, c'est la valeur de la lettre après cryptage. Maintenant, pour transformer X en Y, il faut appliquer cette relation affine. Avec A et B, qui sont entre 0 et 25, et A est premier avec 26. C'est-à-dire le PGCD des deux égale à 1. Parce que maintenant, il faut faire la distinction entre être premier et être premier entre, disons, être un nombre premier et être premier avec un autre nombre. Quand on dit qu'on a un nombre premier, par exemple 3, 5, c'est-à-dire eux, ils n'ont aucun autre diviseur commun à part le 1. C'est ça les nombres premiers. Mais quand on dit deux nombres sont premiers entre eux, ça veut dire que les deux, ils n'ont aucun diviseur commun à part 1. Donc, le plus grand commun diviseur, c'est 1. Donc, ici, on a dit que A est premier avec 26, mais on n'a pas dit que A est premier. Donc, ça veut dire qu'entre A et 26, il ne doit pas y avoir de diviseur commun entre les deux. Donc, c'est ça, c'est la condition que vérifie A. Mais pour le B, il faut que ça soit compris entre 0 et 25, tout simplement. Maintenant, la lettre pour le déchiffrement, maintenant, ici, on fait un calcul modulo 26, hein.
Maintenant, un calcul modulo 26, c'est quoi? Ça veut dire que c'est le reste de la division, c'est-à-dire ce résultat-là, c'est le reste de la division de ce nombre-là par 26. C'est-à-dire, supposons que en faisant ce calcul-là, je trouve 35. 35 modulo 26, c'est le reste de la division de 35 par 26. Est-ce que vous voyez? Voilà, donc c'est ça qu'on appelle le calcul modulaire. Donc, toujours, on va prendre le reste de la division par 26 et ça va forcément donner un nombre entre 0 et 25. C'est exactement ce qu'on voit. Maintenant, ici, pour retrouver le x, bon, c'est à partir de cette formule-là, on déplace le b, donc y moins b égale à x. On déplace le a, donc a moins 1 fois y moins b nous donne le x. Ça, c'est pour le déchiffrement, pour retrouver le x quoi. Maintenant, a moins 1, c'est l'inverse de a modulo 26. On va revenir sur les calculs d'inverse à ce niveau-là. Maintenant, pour pouvoir faire parce que ici, on doit chiffrer des lettres. Mais comment appliquer des calculs avec ces lettres-là? C'est en faisant une correspondance. Qu'est-ce qu'on fait? On considère que A correspond à 0, B égale 1, C égale 2, ainsi de suite, jusqu'à Z égale 25. C'est assez pour faire des calculs, parce qu'on ne peut pas faire des calculs avec A, et avec B, avec C, avec les lettres. Quoi. Donc, il faudra leur attribuer des valeurs pour pouvoir effectuer ces calculs-là. Donc, si on a une lettre A à calculer, on remplace X égale à 0. Si on a B à chiffrer, on remplace x égale à 1. Si c'est z, on remplace x égale à 25. Maintenant, a et b étant donné, parce que c'est la clé, et on fait les calculs. Ok? Si on donne un exemple, soit la clé ab, cette fois-ci, c'est 3, 7. Maintenant, 3 et 7, il vérifie les conditions qui sont dans 0 et 5. 3 est premier avec 26, c'est-à-dire 26 et 3 n'ont aucun diviseur commun à part 1. Donc, cette clé-là vérifie les conditions. Chiffrer les lettres en remplissant le tableau qui est là. Donc, on vous demande de chiffrer toutes les lettres, mais bon, si vous le faites jusqu'à M, déjà, c'est déjà bien. Les deux exemples qui sont calculés, c'est ça. Donc, comme toujours, la première chose à faire, c'est d'attribuer les lettres à chaque lettre une valeur. A égale 0, B égale 1, C égale 2, ainsi de suite, jusqu'à M égale à 12. Est-ce que vous voyez? Donc ici, c'est... voilà. Maintenant, si c'est N égale à 13, si vous voulez continuer jusqu'à Z, c'est jusqu'à Z égale 25. Donc la première chose, c'est à faire. Ok? Maintenant, ici, par exemple, l'exemple qui est donné, c'est B. B c'est égal à 1. Donc, on prend X égale 1. N'est-ce pas? Et on applique AX plus B. Maintenant, comme X égale 1, on remplace B égale 3. Donc, on a 3 fois 1 plus 7. 3 fois 1 plus 7 nous donne 10. Donc, ce qui nous donne, c'est Y. Bon, ce qui nous donne déjà ce calcul-là. Mais pour trouver le Y, il faut faire le calcul modulo 26. Maintenant, si on fait le calcul, si le nombre qui est là, si c'est inférieur à 26, on a directement le résultat. Comme c'est inférieur à 10, le reste de la division de 26, de 10 par 26 est égal à 10. Donc si c'est un nombre inférieur à 26, on garde le nombre là, 10. Et donc, comme k égale à 10, disons, comme y égale à 10, on regarde quelle est la lettre qui correspond à 10. C'est k, donc on décode k. Ok, donc ce que vous faites en premier lieu, écrivez toutes les lettres. Donc prenez un tableau où vous mettez toutes les lettres de A à Z et mettez les valeurs qui leur correspondent. Parce que ça, vous en aurez besoin. Donc vous le faites A égale 1, B égale, A égale 0, B égale 1, jusqu'à Z égale à 25. Autre exemple qu'on a donné quand même pour le K. Si je dois chiffrer le K, je regarde quelle est la valeur de K d'abord. C'est 10. Donc X égale 10.
Maintenant, donc je dois appliquer la relation ax plus b. A égale 7, donc j'aurai 3 fois a égale à 3, donc j'aurai 3 fois 10 plus 7. Donc 3 fois 10 déjà c'est 30 plus 7, donc ça fait 37. Ce qui est bon. N'est-ce pas? Maintenant, 37, donc c'est ax plus b, donc on va appliquer le reste de la division par 26. Donc le reste de la division de 37 par 26, si vous faites le calcul, vous trouverez 11. N'est-ce pas? Et donc y égale 11. Maintenant, si on a y égale 11, quelle est la lettre qui correspond à 11? Maintenant, on regarde dans notre tableau, dans le sens inverse, quoi. Donc le 11, on voit que c'est le L qui correspondait au 11. Donc, c'est pour ça que je vous ai demandé de trouver toutes les lettres. Parce qu'on pouvait calculer et trouver 13. 13, il faudrait savoir que c'est le N. Donc si on avait trouvé 13, on décode par N. Si on avait trouvé 25, on saurait que c'est Z. Donc c'est à partir de ce tableau, du tableau correspondant, comprenant les lettres et leurs valeurs, qui permet après de faire cette dernière étape-là, c'est-à-dire remplacer la valeur par une lettre. Ok? Voilà. Ici, après, donc, il y a d'autres exemples d'exercices. Hein. Codez votre prénom avec la clé. Décryptez cette phrase-là avec toujours la même clé. Et ici, on change maintenant de la valeur de A. Et on vous demande de coder le mot entier. Et après, on vous pose la question, quel problème apparaît dans ce codage-là? Bon, après, maintenant, il faudra faire ce calcul-là avant de répondre à cette question-là. Et voilà, la réponse-là, c'est en rapport avec les limites de la substitution monoalphabétique. Parce que, suffisamment César, c'est suffisamment monoalphabétique. Voilà, maintenant pour la suite, donc on va voir la méthode de cryptanalyse. Donc, comme on l'avait expliqué, la cryptanalyse, c'est une méthode qui permet de retrouver un message, le message initial, sur par rapport à un message à un cryptogramme. Donc ici, on considère qu'ici, on a un cryptogramme qui correspond à un message initial. N'est-ce pas? Bon, ici, c'est ça le texte qu'on a reçu. Ça, par exemple, c'est un texte qui a été crypté. C'est ça qu'on appelle un cryptogramme. Mais on ne connaît pas. Si on vous dit quel est le texte qui était là avant le cryptage, vous ne pouvez pas le savoir comme ça. Vous ne pouvez pas deviner quel est le message qui a été remplacé par ça. Maintenant, si vous avez la clé, le décryptage se fait très rapidement. Et la cryptanalyse consiste à retrouver ça sans connaissance de la clé. Donc, vous avez uniquement ce texte-là et vous devez retrouver le message qui est derrière. Ce n'est pas une tâche facile, bien sûr. C'est à juste titre. C'est pour cela que l'utilisation de la cryptographie est importante. Quand je dis c'est pas facile par rapport à votre niveau actuellement, mais on verra que voilà, on peut le faire sans beaucoup de ça, des outils très très sophistiqués, donc on peut le faire à main levée. Donc ici la question c'est comment déchiffrer sans connaissance de la clé. Maintenant on utilise ici la méthode par analyse l'occurrence des lettres. Analyse par occurrence des lettres, mais comme ici on a une substitution monoalphabétique, ça veut dire que une lettre est remplacée par la même lettre. C'est-à-dire, si vous avez A, partout où il y a A, on le remplace par une même lettre, par un Z. Partout où il y a A, c'est Z qui le remplace. Si vous avez C, si vous l'avez une fois remplacé par X, partout où on a C, c'est X qui le remplace, ainsi de suite. Donc on peut affirmer, si on sait que c'est une substitution monoalphabétique, le N là, et ces différents N là ont remplacé la même lettre. Je ne connais pas quelle est la lettre qui était là. Mais si c'était A, ça veut dire qu'à cette position il y avait A, à cette position il y avait A, à cette position il y avait A, et ainsi de suite. Pour les Q, pareil. Il y a plusieurs Q, donc ces Q là ont remplacé les mêmes lettres. Et ainsi de suite. Donc la même lettre que vous voyez là, ils ont remplacé les mêmes lettres avant.
Donc, une lettre qui apparaissait cinq fois, celui qui l'a remplacée apparaît cinq fois. Une lettre initiale qui apparaissait huit fois, la lettre qui l'a remplacée apparaît autant de fois. Et là, c'est ça qu'on va regarder. En sachant que dans une langue donnée, il y a des lettres qui sont plus fréquentes que d'autres. Par exemple, ici en français, il y a l'espace qui est plus fréquent, avec un pourcentage de 19,3%, suivi de la lettre E, suivi de la lettre A, suivi de la lettre S, ainsi de suite, quoi. Maintenant, dans ce cryptogramme-là, quelle est la lettre la plus fréquente? Si on fait le décompte, on peut voir que c'est le P qui est plus fréquent, avec une fréquence d'apparition de 14,3, suivi de K. Donc, si on faisait le décompte, on verrait que voilà, celui-là est plus fréquent, suivi de K, suivant, ainsi de suite, jusqu'à Y. Est-ce que vous voyez? Donc, ça, c'est ce qu'on constate dans ce cryptogramme-là. On voit les apparitions qui sont définies. Maintenant, ça, c'est dans le cryptogramme. Et ça, c'est de façon générale, quoi. Dans une langue donnée, en général, c'est l'espace suivi de... N'est-ce pas? Maintenant, donc, on va utiliser, essayer de faire cette correspondance-là. Maintenant, quand on voit que dans le cryptogramme, il y a P qui apparaît plus de fois, et que dans la langue française, il y a espace qui est souvent plus fréquent, on peut en toute logique supposer que ce P-là, vraiment, a certainement dû remplacer l'espace. Comme il est le plus fréquent ici, ça veut dire que la lettre, ce qu'il a remplacé, c'est ce qui est plus fréquent. Bah, comme espace est plus fréquent, on peut supposer qu'il a remplacé ça. On peut peut-être aller à un autre pas, considérer que comme en deuxième position, il y a K qui est plus fréquente ici, il y a de fortes chances aussi que ce K-là ait remplacé le E. Mais rien ne nous garantit que c'est vrai. Hein? Parce que ces probabilités d'apparition, c'est de façon générale. On dit que dans un texte, il est plus fréquent de voir espace E. La lettre la plus fréquente, c'est E, suivi de A. Mais on peut avoir un texte où A est plus fréquent que E. Donc, ce n'est pas toujours vérifié. Mais de façon générale, c'est plus probable de les voir comme ça que autrement. Donc, ça, c'est des suppositions qu'on peut faire. Mais on n'est pas sûr que ça peut aboutir. Ok? Mais voilà, quand on fait la cryptanalyse, on est obligé de faire ces suppositions-là. Donc on peut supposer que P a remplacé espace et que K a remplacé E. Par exemple. Mais il faut le faire étape par étape. D'abord, on regarde, on remplace P par espace. Après, on regarde ce qu'on a, ainsi de suite. Mais on ne peut pas continuer linéairement à faire ces suppositions-là, c'est-à-dire en considérant que P a remplacé espace, K a remplacé E, S a remplacé A. Non, on ne peut pas le faire comme ça, parce que c'est sûr que dans un texte, ça ne va pas se passer toujours comme ça. N'est-ce pas? Donc, il faudra allier ça, mais en regardant la logique aussi. Donc, on remplace étape par étape et on regarde le texte qu'on a. Donc, la première étape, qu'est-ce que nous faisons? Nous supposons que P a remplacé l'espace. Donc, pour faire la cryptanalyse, on remplace P par espace. Comme on suppose que E a été remplacé par K, pour faire la cryptanalyse, on remplace K par E. Donc, c'est ce que nous faisons dans un premier temps. On décode P par espace et on décrypte aussi K par E. Espace, c'est ce que j'ai dit tantôt. Donc, P, espace, K, E. Mais on ne continue pas pour les autres, parce que sinon on risque de fausser la démarche. Donc, on remplace d'abord P et on remplace K par E. D'après les premières suppositions. Maintenant, à chaque fois qu'on remplace, si on voit des choses incohérentes, bah, on revient en arrière, changer de supposition. N'est-ce pas? Donc, c'est pas une tâche, voilà, facile si on veut le faire à la main, quoi. Mais voilà, avec un logiciel facilement, ça peut être programmé, etc. Donc on remplace, donc si vous voyez ici,
on a espace, ça veut dire que c'est le père qui était là, quoi, qu'on a remplacé. Père qui était là, on remplace par espace. Là où il y a les cas, là où il y a les E, c'est les cas qui ont été remplacés, quoi. Maintenant, une fois qu'on a ce texte-là, on va regarder le texte. Parce qu'on suppose que ce texte-là est écrit dans une langue donnée. N'est-ce pas? On suppose que c'est une langue donnée. Donc, ici, on suppose que c'est en français. C'est pour cela qu'on a considéré ce tableau-là. Donc, on va regarder les lettres. Par exemple, ici, on voit une lettre séparée de espace. Donc, on peut essayer de le décoder. Il y a ça. Donc, quelles sont les lettres qui peuvent être seulement, soit des L apostrophe. Bon, L, on considère dans ce cas que l'espace n'a pas été, l'apostrophe n'a pas été codé. Il y a le M apostrophe, T, disons, etc. quoi. Ou T apostrophe, voilà, des trucs comme ça. Bon, et si vous comptez, il n'y en a pas plusieurs. Mais également, on peut voir ici, il y a BA. Donc, quels sont les mots de deux lettres? Il y a la, ma, ta, me, etc. Mais il est beaucoup plus probable que le mot commence par. Bon, une phrase commence par la ou le. Mais ça, le Q ne peut pas être E. Parce que j'ai déjà remplacé le E. En supposant que le K c'est E. Donc, celui-là c'est A à coup sûr. Donc, je décode Q par. Donc, ici c'est la logique quoi que j'utilise. La logique de la langue qui me permet de décoder. Donc, le Q. Et celui-là, B. Le B peut être M. N'est-ce pas? Ça peut être ma, ça peut être T, ça peut être ta. Donc, ça peut être la. Mais je vais retourner au niveau du tableau pour voir qu'est-ce qui est plus probable que le B. Bon, déjà, c'est, en général, ça commence par le, la. Donc, il y a de fortes chances que ça commence par L, mais on peut regarder aussi dans le tableau. Le B apparaît combien de fois dans le tableau? Bon, à moins de 5,1%. N'est-ce pas? Donc, c'est très fréquent. Donc, je vais regarder parmi les lettres, les possibilités que j'ai citées. Peut-être qu'est-ce qui sera plus équivalent à ça. Par exemple, il y a L qui apparaît pratiquement autant de fois. En moyenne, quoi, en termes de fréquence. N'est-ce pas? Avant que le M arrive. Bon, il y a le T qui est plus probable, mais il y a très peu de sens que ça commence par T. La phrase. Donc, c'est plus probable que ça soit un L. Mais il n'y a rien qui nous garantit que c'est L. Donc, on remplace et on regarde ce que ça donne. Si on voit une incohérence, on revient en arrière. Donc, on remplace Q par A, L, etc. Après, ce que j'ai dit tout à l'heure, voilà, il y a le G, n'est-ce pas? Qui est, bon, ça peut être D apostrophe, etc. Donc, ici, on voit quoi? Ici, c'est E. Trois lettres. Bon. Quels sont les mots de trois lettres? Ça ressemble à un EST. Donc, le S, on peut supposer que c'est S. Le J, c'est T. Maintenant, deux personnes qui décodent ne vont pas décoder de la même manière. Parce que moi, je vois ça. Mais quelqu'un peut voir autre chose. N'est-ce pas? Par exemple, ça. On peut voir soit c'est les, mais, T. N'est-ce pas? Les mots de trois lettres, quoi. Maintenant, comme il y a le. On peut allier. Maintenant, déjà, ça aussi, on peut voir que bon, ça ressemble à lettre. L-E. Donc, on regarde ce qui apparaît plus clairement, quoi. N'est-ce pas? Déjà, ici, M, ça c'est G-E. Maintenant, ce G-là, ça peut être quoi? De, me. Ainsi de suite. Donc, en regardant ici ou là, on peut se rendre compte des possibilités quoi. Donc là il y a de fortes chances que ça soit D. Donc si on sait ça c'est D, bon, parce que ça revient encore, ça ressemble à D. Si c'est là sera D apostrophe, là ce sera D. Donc il y a de fortes chances que le G là soit D. Je remplace D donc par G, G par D, S par S, parce que si c'est D ça veut dire S c'est S. Je remplace. Et ainsi de suite. Donc, à chaque fois que vous remplacez,
Par exemple, après avoir remplacé ça, je vois que ça ressemble forcément à l'être. Donc là, c'est TT. I sera R. Donc J sera remplacé par T, I égale R. C'est exactement ce qu'on a fait. On remplace partout. Quand on remplace, au fur et à mesure qu'on remplace, les mots commencent à sortir. Par exemple, là, c'est un mot de 4 lettres, ça ressemble à son. N'est-ce pas? Donc L c'est O, X c'est N. N'est-ce pas? C'est possible. Maintenant, il faut remplacer pour voir est-ce que ça passe ou pas. Maintenant, si vous remplacez, vous voyez des mots qui n'ont aucun sens, ça veut dire qu'il y a un problème. N'est-ce pas? Maintenant, il y a d'autres possibilités. On peut voir les plus probables. Ce qui apparaît le plus. Donc, si vous faites ça, vous appliquez la même méthode, voilà, vous allez retrouver les autres. X sera remplacé par I. N'est-ce pas? Par exemple, comme là, vous avez un mot de 2 lettres. N'est-ce pas? Un mot de 2 lettres, dont la deuxième c'est L. Quelles sont les possibilités? Il y en a qu'une seule. Que je connais. C'est IL, IL. Donc le I est remplacé. Etc. Maintenant, en regardant, il faudra regarder tous les mots pour voir les mots qui, voilà, qui apparaissent beaucoup plus clairement et ça permet donc, après que le H sera remplacé par Q, n'est-ce pas, le N par U, ainsi de suite, quoi. Voilà, donc voilà un peu à quoi ça consiste. Donc après, on remplace V par F, etc. Et ça nous donne ces résultats-là. Donc, arrivé à ce niveau, il y a encore. Donc, plus vous remplacez, plus les lettres, les mots commencent à apparaître. Donc là, je vois ces substitutions, etc. Et si vous trouvez le mot, ça vous permet de trouver par la même occasion plusieurs lettres à la fois. Donc, si je remplace substitution ici, donc je sais que donc, R, c'est B, L, c'est O. Et je remplace, je regarde. N'est-ce pas? Donc, plus vous remplacez, plus les. Maintenant, L, O, N, ça peut terminer par E. Ou par, G. Donc, W sera remplacé par G, ainsi de suite. Quoi. Et si on fait ça, donc, ça nous permet. Donc, il y a une étape que j'ai omis, ça va être ajouté après. Parce que là, le G va être remplacé par W. Ok? Et donc, par conséquent, on retrouve ce message-là. Et le message nous dit que la solution monoalphabétique est très vulnérable à la cryptanalyse, pourvu que le message soit suffisamment long. Donc, plus le message à décrypter est long, plus cette méthode qu'on vient d'appliquer analyse par la fréquence des lettres, par l'occurrence des lettres, il sera plus facile que cette méthode-là réussisse. Okay? Maintenant, en utilisant ce même principe-là, on vous demande de décrypter le message qui est là. Donc ça, c'est le cryptogramme. Donc vous appliquez la même méthode pour vous, ça vous permet de donc vous pouvez déjà reprendre cet exemple-là et après, avant d'appliquer cette méthode-là. Maintenant, pour cela, pour faire le décompte des lettres et autres, on vous facilite ça, vous pouvez utiliser ce lien-là. Parce que ce lien-là, vous copiez le texte, après vous le collez. Il y a une page qui vous permet de mettre le texte. Si vous mettez le texte, il vous affiche déjà la fréquence d'apparition des lettres. Donc ça, c'est pour éviter de faire le décompte de façon manuelle. Maintenant, pour le chiffrement monoalphabétique, on a un autre type de cryptanalyse par bigramme. C'est-à-dire, cette fois-ci, on va faire considérer les fréquences d'apparition des lettres une à une. On considère les lettres d'apparition des lettres par deux. C'est-à-dire, on voit les doublés de lettres qui sont les plus fréquentes. Et si on regarde dans la langue française, il y a ES,
suivi de LE, ainsi de suite. Au lieu de regarder lettre par lettre, on regarde par deux. Maintenant, ici, on vous donne un cryptogramme que vous voulez décrypter. On compte le nombre de lettres. Lettre la plus fréquente, c'est A. C'est G plutôt, ce qui est 12 fois, et suivi de A qui est 8 fois. N'est-ce pas? Et si on regarde, on a GA. On a GA. GA. Donc, on a des doublés de lettres, des deux lettres les plus fréquentes, plusieurs fois. Maintenant, on regarde donc les lettres les plus fréquentes. Les doublés qui est plus fréquent, donc c'est EG. ES. Donc, on peut supposer que ce ES là, ça correspond, ça peut correspondre à GA. Donc, dans ce cas, E, c'est G. SCA. Donc c'est ça qu'on va supposer. Donc G est remplacé par E et S par A. Donc ES a été remplacé par GA. Maintenant, en supposant qu'ici on utilise le cryptage affine, non? On suppose que c'est un chiffrement affine qui a été utilisé alors qu'on ne connaît pas la clé. C'est ça. Donc on fait la cryptanalyse lorsqu'on n'a pas la clé. La clé c'est A et B. On n'a pas la clé A et B, mais on peut néanmoins décrypter ça. Mais c'est la seule information que nous avons, c'est que c'est un chiffrement affine. Ok, donc on procède par cette méthode-là. Donc on suppose que E a été remplacé par G et S par A. Et donc par conséquent, je vais regarder E, ça correspond à quelle valeur? Parce qu'on avait dit que chaque lettre, on lui attribue une valeur. Si on regarde dans le tableau des valeurs, la valeur de E c'est 4 et la valeur de S c'est 18. N'est-ce pas? Maintenant, cette valeur de 18 là a été transformée en A. A sa valeur c'est 0. La valeur de E qui est 4 a été transformée en la valeur de G donc c'est 6. Maintenant, sachant que les relations affines c'est AX plus B. Donc on peut écrire le système. Parce que A et B, on ne les connaît pas. Mais comme on considère que E est remplacé par X, donc la valeur de E, qui est 4, a été transformée ici. Donc A, 4, A fois 4 plus B sera remplacé par la valeur de G, qui est 6. Donc 6 sera égal à AX. X égale 4, donc 4A plus B. De même aussi pour le G, pour le A, on fait la même chose. Donc c'est ce qui donne ce système-là. Donc, en passant, partant du fait que Y égale à AX plus B. En modulo 26, bien sûr. Donc F de A, ça veut dire, quand on applique le chiffrement affine de 4, on trouve 6. Ça veut dire que A. Lorsque x égale 4, quoi, on obtient y égale à 6. Lorsque x égale à 18, on obtient y égale à 0. En modulo 26, toujours. Donc 4 fois a, 4 fois x, plus b égale à y qui est 6 pour cette première équation. Maintenant, 18a, ça veut dire que lorsque x égale à 18, on a 18a plus b est égal à y qui est rien d'autre que la valeur 0 de a. Alors, on a un système à deux équations et deux inconnues. N'est-ce pas? Donc, on peut faire la somme ou la différence des deux. Donc, pour éliminer la B, on fait la. On fait cette ligne-là, moins la première. Donc, si on fait cette différence-là, on trouve donc 14A égale à moins 6 modulo 26. N'est-ce pas? Maintenant, si on fait ça, comme ici c'est un calcul modulaire, on aura ici 14A est égal à moins 6 modulo 26. 14A égale à moins 6 modulo 26. N'est-ce pas? Maintenant, quand on dit que c'est modulo 26, ça veut dire que 14A est égal à moins 6 plus un multiple de 26. C'est comme ça qu'on peut le traduire. Parce que dire que moins 6, c'est le reste de la division
de 14 A par 26, ça arrive à dire que si on fait 14 A, si on divise par 26, le reste est moins 26. N'est-ce pas? Par exemple, on peut le matérialiser ici. Par exemple, si on fait 14 A, si je divise par 26, excusez-moi. Donc, le reste c'est moins 6. Donc, il a dit qu'il y a un quotient ici. Et ça, si on le traduit en équation, on aura 26Q, n'est-ce pas, plus moins 6, plus le reste quoi. Si vous faites Q fois 26, plus le reste, donc moins 6 égale à 14. Donc 14 sera égal à moins 6 plus 26Q. Maintenant, il s'agira de chercher quel est l'entier Q, le premier qu'on va trouver, de telle sorte que à trouver cette équation-là. Donc ce qu'on fait, on fait varier le Q. C'est-à-dire, si on prenait Q est égal à 1. Donc c'est ça le principe, quoi, faire varier le Q. Si vous prenez Q est égal à 1, Q est égal à 1, on aura donc 26, parce que n'oubliez pas qu'on a 14A égale à moins 6 plus Q fois 26. Donc Q fois 26, si Q égale à 1, donc on aura 26 moins 6. 26 moins 6 c'est 20. 14A égale à 20. Il n'y a aucun entier A tel que 14A égale à 20. N'est-ce pas? Après, on prend Q égale à 2. On aura donc 14A égale moins 6 plus 2 fois 26. N'est-ce pas? Donc, si vous prenez 2 fois 26, donc vous aurez 6, 52, quoi. Maintenant, est-ce que 52 est divisible par 14? N'est-ce pas? Si c'est le cas, ça veut dire qu'on a trouvé la bonne valeur. Sinon, on regarde. Donc, à chaque fois, on fait varier le Q et on va regarder quelle est la bonne valeur. N'est-ce pas? Donc, si on regarde 54, est-ce que c'est divisible par 14? Donc, ça, c'est. Voilà, vous pouvez le vérifier. 52 plutôt, 52, si vous le divisez par 14, c'est pas divisible, donc on va prendre Q égale à 3. Donc si vous prenez Q égale 3, vous faites 3 fois 26, vous faites moins 6, vous trouvez 72. 72, si vous le divisez par 14, si vous le divisez par 14, vous allez trouver. Excusez-moi, 14, 26, ça ne marche pas, après je prends 4, Voilà, donc si vous prenez Q égale à 4, si vous prenez Q égale à 4, vous allez retrouver le résultat. Parce que si vous prenez Q égale à 4, donc vous prenez 4, n'est-ce pas? Vous prenez 4 fois 26. 4 fois 26, vous mettez moins 6. Vous allez trouver. Quatre fois 26, vous allez trouver 104 moins 6, vous allez trouver 98. Maintenant, 98, si vous le divisez par 14, vous allez trouver donc un nombre entier. Voilà, vous allez trouver 7. Donc, vous prenez A, c'est ce qui donne A égale à 7. Donc, c'est le Q égale à 4 qui donne le bon résultat.
Donc, il faut faire varier le Q, quoi. Donc, ça, c'est le principe Q égale 1, Q égale 2. Vous remplacez. Est-ce que c'est divisé par 14? Non, je change. Q égale 3. Jusqu'à si vous prenez Q égale 14, dans cette relation-là, vous aurez A égale à 7. Parce que vous aurez 98 que vous divisez par 14, ça donne A égale 7. Et si vous avez A égale 7, vous remplacez dans l'une des équations. Ça vous donne la valeur de B. Comme pour résoudre un système. Quoi. Maintenant, pour le déchiffrement, il faudra connaître, comme vous connaissez A, A égale à 7, bon, le calcul inverse nous donne A moins 1 qui est égal à comme ça, 15. Bon, on verra plus tard comment on fait le calcul d'inverse. Mais ça, c'est A moins, moins 1. Donc, c'est ce qui donne cette valeur-là. Maintenant, on verra comment calculer cette inverse-là. Maintenant, si on connaît l'inverse, donc c'est A moins 1, Y moins B, nous donne X, quoi, en modulo 26. Donc, voilà le principe, donc, de ce calcul. Maintenant, une fois qu'on trouve ça, on va appliquer cette méthode-là. Si je veux décrypter cette méthode, c'est ça. Je regarde H, ça correspond à combien dans le tableau. Donc, il suffit de, par exemple, de regarder dans le tableau qu'on avait. H, c'est 7, par exemple. Donc, si je veux décrypter le 7, je remplace Y par 7. N'est-ce pas? Donc, je fais 7 moins 4. N'est-ce pas? Ça me fait 3. 3 fois 5. 3 fois 15. Ça me donne 45 et je divise par 26. Le reste, ça me donne un nombre et ce nombre-là, je regarde ça correspond à quelle lettre. Et on verra que si vous le faites, vous verrez que ça tombe sur le T. Ainsi de suite. Donc pour chaque lettre, vous le décryptez en utilisant cette relation-là. Maintenant, on va s'arrêter pour cette vidéo ici, pour reprendre plus tard avec la partie chiffrement poly alphabétique.